Anthony Blinken qui finit recevoir dignitaire pour président CPT, premier ministre, mm-hmm. dans la résidence ambassadeur, ce qui est une insulte pour tous ceux qui ont été. Bah, ça grave en pile. Ah non, bah, grave. Son déception pour tout le monde qui est allé rencontrer Anthony Blinken dans la résidence ambassadeur. C'est quand c'est Anthony Blinken qui a recevoir mon. C'est pas l'autorité haïtienne qui a recevoir. Non, mais c'est Blinken qui recevoir l'autorité haïtienne. Oui, parce que c'est la Kaili Chita, c'est la résidence ambassadeur. Il invité au vin côté. Il invité au vin côté. Pas mais invité convoqué. Attendez, ni parti responsable, parti politique et tout. Mm-hmm. Ah, c'est lui qui recevoir, c'est pas lui qui recevoir. Non, lui qui recevoir. C'est lui qui recevoir. Mais on sait pas le plus grave là. Et non seulement Blinken fin recevoir là, l'humilier Haïti et l'humilier les autorités haïtiennes. Blinken en République dominicaine, c'est ministre affaires étrangères dominicain qui a recevoir là. Et puis ouais. Menel la résidence la caille Luis Abinader. Voilà différence. Reprenez Baptiste à vous. C'est des de vous attendre. Différence entre Jean le passé Haïti et Jean arrivé en République dominicaine. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Ici, ambassadeur américain, t'es n'importe quoi ensemble avec ministre affaires étrangères. Ok? Il recevra Blinken. Mais il mène Blinken dans la résidence ambassadeur. Il mène Blinken dans la résidence ambassadeur. En République dominicaine, Blinken rivé Santo Domingo. Ambassadeur américain accrédité à Santo Domingo. Ensemble avec ministre affaires étrangères. République dominicaine, yo vin accueillir là aéroport, yo menel la résidence Luis Abinader. Voilà la différence. C'est pas dans résidence ambassadeur américain en République dominicaine yo menel. Dans résidence Luis Abinader. C'est Luis Abinader comme président qui recevoir. Lorsque ambassadeur fin recevoir lui-même et Gali fin balavel bon, et puis a menel le président pour recevoir le balavel. Ça c'est ça. Oui, j'abandonne. Alors qui m'a dirigeant que ni. Qui ça oyé. C'est pour reconnaître nous pas gain monde. Nous pas gain monde, c'est sérieux. Et vous terrible pour dignité. Non, avec dignité, yo pas gain dignité. Yo pas dit ça. Yo pas dit ça. Ça c'est une. Deuxièmement, l'elle vient ici, ça le devine fait. Bon, c'est une question que tout le monde a posé. Ah, il est venu ici, il vient de parler, que vous pouvez changer, que les États-Unis, mettez mm-hmm. avec l'Équateur, ils viennent avec un projet de résolution à l'ONU, ils pouvez changer le MAS mm-hmm. en mission de maintien de la paix. Mm-hmm. On l'avait dit? Mm-hmm. C'est-à-dire, ils pouvez gagner une mission cap Cajun. Il y a plus de pays qui ont entré la donne. Mm-hmm. Et c'est l'ONU. Il faut garantir que c'est l'ONU qui a pris son mission. Mais ça a bien comme pour ça. Mais voilà. Mais raison fondamentale qui fait. Vous allez venir là. Il vient pour ça. C'est-à-dire, il vient informer l'autorité. Mais ça le fait. Il vient informer. Mais ça le fait. Il vient en République dominicaine. Il vient informer Luis Abinader. Que USAID a financé son projet. 3 millions de dollars. Pour être capable de permettre des échanges mm-hmm. entre les universités américaines et les universités projet dominicaines. Sérieux. Projet sérieux qui projet lié. Pour être capable d'ouvrir usine semi-conducteur. Pour permettre que la République dominicaine puisse fabriquer des puces électroniques que tout grand pays a besoin. Tant de causes. Voilà la différence. Haïti c'est mission, République dominicaine c'est investissement. Tandis qu'en Haïti, alors comme la passé par USAID. Hmm. En Haïti, USAID, les balcob, yo balcob pour détruire nous gagne plaisance. Détruire nous gagne pilate. Non, détruire ça son ba. Pas ça, l'autre détruire. Mais détruire USAID oui. Mais USAID il détruit il mettait cob à disposition de PADF. PADF va acheter plein en Blaisance, l'a acheté plein en Pilate, l'a acheté plein en Mauboy, l'a acheté plein en Pomago. C'est quatre communes dans donc produit plus yam. Ah oui. Et puis on détruit yam. Il a acheté yam non, il a acheté plein yam non. Où est la différence? Oui, oui. L'a investi en USAID en République dominicaine pour mettre usine. Et puis il investi dans USAID en Haïti pour détruire la production en Haïti. De 1999 à 2010. L'USAID investit plusieurs millions dans PADF pour PADF acheter plein d'hommes et puis créer la faim
à Plaisance, non, à Pilate. Les acheter plein en dedans, il y a 10 paysans. C'est objectif. Non, mais voilà, c'est ça. Voilà, il y a acheté plein en dedans, comme ils disent. Acheter en dedans dans mes paysans, il y a acheté plein en dedans. En année 2000, je suis à Plaisance pour Pilate. Là, je vais devant de l'eau, que le dos Margot, c'est plus gros de l'eau. Ou rencontrer et c'est dernier de l'eau rencontré avant d'entrer dans Bouc Pilate. OK. Et puis là moi venant de l'eau puis qu'on dalle et paysan quoi. Oh, député, député, qu'on aime des candidats et puis après le député, député. Et puis me camper machine là. Me dit monsieur comment nous dit ah député nous saute ton journal là, nous saute travail nous grand comme dit monsieur acheter ça nous voulez. Qui sont connait nèg a acheter? Pain à mamba, figue et puis bon cola. Bah même pas même dépenser $300 non. OK. M'acheter pour nèg yo. Mais moi, 5 gros camions à côté de route là. Il y a 2 gros camions qui chargent avec l'homme. Il y a 3 autres gros camions qui chargent avec plein d'hommes. Et puis il me dit, monsieur, ça, ça est là. Moi, ça, c'est l'homme. Et ça, il dit, ça, c'est plein d'hommes. Il dit, oh, nous vendons l'homme là. Et puis nous vendons plein d'hommes là. Quand il a besoin de vendre l'homme là, il dit, mais quand nous vendons l'homme là, c'est USAID qui, avec PADF, PADF ouvre un programme là, il a acheté l'homme là, mais nous, il a acheté plein d'hommes là, mais nous. Là, il a fini d'acheter plein d'hommes là, mais nous. Et puis qu'on y a fait expérience dans le plateau central, après il a venu faire nos cadeaux plein non, c'est pas vrai non? Pour détruire en Plaisance Pilate au bois Magoui. Mais ça PADF fait terrible. USAID. Alors montre la différence. Vous avez acheté plein pour écraser bagage question yam nan pour nous pas faire ça. En République Dominicaine, USAID a aidé les Dominicains pour ouvrir usine pour faire des puces et semi-conducteurs pour permettre les grands pays. Oh, oui, c'est une usine ultra moderne qui fait plus semi-conducteurs. Ils vont mettre comme à la disposition des usines dominicaines. Donc c'est même pas écouté. Et ils vont permettre que les usines dominicaines ont un standard international pour produire des semi-conducteurs. Et puis plus ça, c'est des puces électroniques que tout grand pays d'Europe a besoin. Égal à ça, par exemple, Taïwan. C'est un pays qui produit plus électronique. Ouais. Son leader dans l'usine semi-conducteur. Eh bien, c'est l'usine, ça, là, États-Unis pour le mettre en République Dominicaine. Mettez quoi, usine? Et puis, en Haïti, ouais, à Binader, il y a 40 millions. Ah, 40 millions, là. C'est USAID, oui, USAID, USAID même. Mais en Haïti, il est présent dans toute bagaille. Oui, c'est pour ça que vous mettez. Vous mettez dans toute bagaille. Dans la République Dominicaine, il est utile les Dominicains. Mais en Haïti, il est aidé. Il est toujours production. Vous comprenez ça? Même époque là, pendant la détruisance, Plaisance, Pilate, au bois en haut, il est aidé, mettez comme à disposition de PADF, et puis il a détruit tout plein poids, tout plein maïs dans tout plateau central là. Plateau central est arrivé de 1999. À 2010, ils ont détruit tout le poids. En plateau, dans le plateau central qu'on y a, ou après, c'est poids Miami à manger. C'est ça. C'est la différence. C'est la différence. Ils ont aidé la République Dominicaine pour avancer, et puis ils ont détruit Haïti. Ils ont fini avec Haïti. Et pendant ça, depuis Aristide retourne en exil, de 1994 à nos jours, il faut arrêter tout ministre agriculture. Ministre de l'Agriculture. On va mettre tout dans la prison. Il n'y pas occupé de l'agriculture. Depuis qu'on est arrivé hier, l'USAID est au corps pour pas occuper de l'agriculture en Haïti encore. Il n'y a pas occupé de l'agriculture. Non, pays non, non, non. Non, pays pas Plaisance. Plaisance, son pays qui est produit en pile. Vous avez parlé de l'homme. En pile chadec, en pile zonge. Soit Plaisance, qu'on a pas de chadec, pas de zonge. USAID, non, Pilate, dit la, Pilate, ministre agriculture. Pilate, pas de chadec, pas de zonge. Gardez, ah non, mais... ministre de l'agriculture, ça n'a pas gardé. Ils ont détruit tout chadec. Parce qu'ils ont eu un cop nommé pour détruire production. Pour qui ça, les États-Unis fait ça? L'aide détruire production dans toute zone plateau central et zone nord-est et nord, laisse appétit tout paysan après à Saint-Domingue. Pour le travail dans l'usine Saint-Domingue. Et ouais, j'en fais ça. Il prend toute la plateau centrale là. Il détruit poids. Il détruit maïs. Et puis, non, non. Qui ça qui est arrivé? Nous, par contre, l'histoire, ça, il faut m'expliquer nous. Okay. Et tout auditeur. Plaisance Pilate, boy pour Margot. Attendez, oui, ma bo. Plaisance Pilate, boy pour Margot. Raisonnons. Pays ça a été qu'on vive de café de cacao. Maintenant, depuis 2005-2006, États-Unis fait craser le café.
fait détruire café États-Unis pour planter maïs, pour planter pois noirs, détruire. Il passait pour un programme avec FAO, fait détruire FAO, détruire café. OK? Maintenant qu'on y a gretton grain ressources à pays ça. Yam. Les paysans gagnent par exemple, un paysan qui a un hectare de terre, il a fait 200 300 000 goud par année dans yam. Ah oui. Ah oui. Maintenant qu'on y a, c'est yam qui était comme principale ressource pays ça. Ville ça ou non non non. Plaisance, Pilate, Boy Pomago. On prend toute ville ça, c'est yam qui principale ressource yo. Parce que c'est pas plein yo, c'est mon yo. C'est yam yo planté. Eh ben le PADF détruit yam dans toute ville ça yo, petit tout paysan al couper quand c'est domaine. OK. Donc obligé de quitter pour faut que vous obligé yo pas ressource encore al n'a pas yol. Et qu'on y a offert casse plein entre les cultivateurs, les coûts vendent 2000 goud. PADF acheté la 6000 goud. Et puis tout paysan décourage honnête. Ah bono. Ah bah ma toute réalité. Non bono. Casse plein vendent 22000 goud. Son paysan 3000 goud. Son paysan rasé 6000 goud acheté. Il gagne casse plein. Il vend entre il vend là il fin vend. Là il gagne cop qu'on y a acheté encore même l'autre paysan. Laisse à PADF va acheter 6000 goud. 6000 goud. Et puis tout paysan vend plein. Et puis yo détruit. Moi veux plaisance en 2009, pas un bout de marché non. Dans mois février, moi côté que yam, plaisance gagne 9 variétés en moi. J'ai avec plaisance. OK. Ministre agriculture connait bagaille ça. Non, mais pas l'état n'a tout gouvernement connait de bagaille ça. Ça regarde yo. USAID était pour veut comme ministre mettre projet pour la banque. USAID fait tout pour faire occuper agriculture. Bono. C'est pour t'apprendre tout ministre agriculture passé 2000, oui, de 2015 de 1995 à nous mettre tout en prison. Il y a pas occupé agriculture. Il y a été ici, je un projet à faire comme et puis c'est fini. Tout ministre agriculture. Faut t'en mettre tout en prison. C'est pas grave terrible. Ah, pas bon, vérité. Même j'avais dit que cochon créole nous j'ai pas ça passé. Oui. C'est presque même cas de figure qu'a détruit production par nous et puis nous pas gagner. Pendant 40 ans là, États-Unis passé par tout moyen, il détruit tout ça de gagner, il détruit cochon créole, il détruit et toute notre production, plateau central, il détruit poil, détruit maïs et non, il détruit yam. États-Unis ou qui fait qui mais c'est eux qui organisent la production nationale pays la ville de Kay c'était un grand pays dans zone dans sud qui était produit en pile mazombel au Kay pas mazombel qu'on y a non pas mazombel mais bah ouais bah ça presque pas connait si c'est pays BADF qui détruit parce que m'a pas fait étude pour ça là pour Kay m'a fait recherche même pas étonné si BADF détruit yo BADF qui détruit yo. C'est ça que tu as fait dans la période là. Tu as fait de 1998-99 à détruire la production en Haïti. USAID met comme la dit. Ouais, USAID, il met comme pour usine en République Dominicaine. En Haïti, il met comme pour PADF pour détruire la production en Haïti. Bon, réalité. C'est ce qui est bizarre. M'ba bon raison. Mais si n'avez pas compris. Faut qu'on investisse en République Dominicaine pour Haïtiens le travail en République Dominicaine. Pour inciter les paysans, les fils des paysans, faut écraser l'agriculture. Paysans viennent plus pauvres, viennent grossir Binoville dans la capitale là. Et puis, allez, petit yo, allez en République Dominicaine. Mes amis. Bon, vérité. Ya. Bon, vérité. Ya. Donc, autorité. Au courant des nouvelles là. Yo pas fan. Yo connais ça passé, mais yo nan complot, yo même tout. Bon me dire. Et puis tout va bien, ça passe ça mal parce que c'est pas dans micro avec. C'est pas dans micro nous te premier dit et que le préval monte de veulent refaire l'armée. Et États-Unis dit non, nous pas dans l'armée non. Nous c'est police ça n'a préval dit non, nous femme faire l'armée dit non, nous pas dans l'armée. Préval met bas. Les préval garder, la police pas qu'à combattre par rapport à gang. Préval font deuxième commission en 2009. Ils font première commission en 2007. Ils font deuxième commission en 2009. Et ambassadeur américain à l'époque dit ah président, on connaît nous pas gain problème avoir nous tout sauver na Edo. Mais a fait l'armée à nous pas dans l'armée. Et puis préval craser deuxième commission ça encore. Mais comment t'a voulu pour mon pays, mon président, pour ambassadeur dans l'autre pays, vinn dire que le pas dans l'armée. Je dis à ça n'a payé là. La paye, c'est conséquence de c'est ça. Insouciance, René oui. Préval, Michel Martelly. Qui pas dedans comme, pas dans comme États-Unis non yo t'es d'accord pour faire la mer oui États-Unis pas d'accord et puis yo fermer yo casser commission oui.
Je dis à ça n'a pas là gang cap touyer moun là c'est gade, parce que ça ouais ça Taiwan bon là avant là oui bon nous quelques gilets babal des États-Unis qui baille quelques radio communication mais ça pour cérémonie t'as fait là ou attendre ouais Taiwan tu mettez drapeau sous bayo ou des jambes ouais États-Unis j'aime parler dans l'armée ils ont la police ils pas dans l'armée parce que l'armée c'est la stabilité l'armée sous gain l'armée ou pas qu'a gain gang ça yo l'armée toujours grand là même si on va dans mission tout on va dans mission au Nigeria non mais c'est pour ça vous mission yo même pour pas gain l'armée dès pour gain là dès pour gain l'armée ou pas dans mission mission c'est coopération militaire la bien a toujours gain gang il y a voyé zam en Haïti et puis il y a pays il y a toujours instable comprendre alors ou connaissez comme ça Jovenel Moïse mouri ouais c'est Jovenel aussi qui campé qui dit que l'ambassadeur a dit que ah président Moïse, nous même nous pas dans l'armée, n'a renforcé police dit non, ou pas gain l'armée dans pays pauvre. Il dit oui nous gain l'armée. République dominicaine pas gain l'armée, il dit oui, pour ça Haïti pas gain l'armée. Il dit bon, président Moïse respecte droit, mais nous même nous pas dans l'armée, nous pas financer. Je viens dire m'pas mandat pour financer l'armée pour moi. Trésor public là financer l'armée.